Bonjour tout le monde, c'est Charlotte. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 23 de notre défi Rockstar dans les Sims 3. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on a un grand programme puisque c'est l'anniversaire de notre Julie. Elle deviendra adulte, ça y est, c'est le moment. On est à un tiers du challenge, de la durée du challenge. On est musique au niveau 6 de la carrière. Franchement, on avance bien. Bon, du coup, on va devoir lui organiser une petite fête d'anniversaire. Propose qu'on l'organise à l'extérieur. Écoutez, on va la faire au Verso. On va faire accès exclusif parce que c'est quand même Julie. Hein. Seulement les invités qui seront autorisés. Les autres, eh ben, vous resterez dehors, tout simplement. Bon, déjà, elle finit à 18h30. Du coup, on va la mettre plutôt vers 22h. Ça peut être bien. Et on va mettre maillot de bain, pourquoi pas. Non, tenue habillée, s'il vous plaît, les gars. Écoutez, je pense qu'on est bon, là. L'heure sélectionnée est trop tard. Ok, bon, on va mettre 21h alors. Eh bien, écoute, tu vas utiliser les toilettes dans un premier temps. Ensuite, je propose que tu ailles acheter un gâteau d'anniversaire. Comme ça, au moins, ça sera fait. Vous vous rendez compte, elle n'utilise même plus le métro. Ça y est, c'est vraiment le bus comme ça qui l'accompagne pour tous ses déplacements. C'est trop bien. Au moins, ça nous permet d'arrêter d'utiliser le taxi qui nous coûte des simflouzes. Alors, on va acheter un gâteau d'anniversaire. Bon, écoutez, on se retrouve après son travail, du coup. Félicitations, Julie fait désormais partie des associés de cet endroit, Multiplex. Elle peut désormais avoir une part des bénéfices qu'elle peut récupérer chaque semaine à cet endroit. Bien sûr, racheter les parts des autres associés permettrait d'avoir encore plus d'argent et de contrôle sur l'endroit. Trop bien, hein ? Et ça y est, elle est sortie avec 614 simflouzes. Je propose déjà d'aller donner un concert et après on ira à ta fête. Et ça y est, elle a fini, maintenant elle va pouvoir aller directement en boîte de nuit. Le premier invité est arrivé, t'inquiète pas qu'on arrive. Et voilà, ça y est, c'est pour nous, tous ces invités sont là, juste pour nous. Super, maintenant tu vas pouvoir aller à l'étage 12, je crois. Voilà, tous ces gens sont là, mais rien que pour nous, rien que pour notre anniversaire. Venez ici et venez danser ici. Bon, il n'y a pas grand monde qui est là, mais en tout cas, Julie... Elle apprécie. Magnifique. Voilà, et tu vas faire souffler les bougies. Ça y est, c'est son anniversaire. Allez, venez tous fêter l'anniversaire de Julie. Regardez, Mathieu, il est là-bas au fond. Trop bien. Ça y est. Oh, trop bien. Ça y est, ils sont vraiment tous là. Trop bien. Julie est désormais une adulte totalement mature. Et voilà, Julie qui est adulte. Oh là là, ça va faire tout bizarre. Non, encore ça passe encore. Par contre, la crise existentielle, on n'en veut pas. Hein. Vous imaginez, elle fait comme Jean-Paul dans notre Legacy Challenge. Elle voudrait quitter le travail et tout. Ouais, non, ça irait pas trop. Hein. Bon, on va changer évidemment cette coiffure pour Julie dès qu'on arrivera à la maison. On va parler un petit peu avec Mathieu du coup. Amical, demander comment s'est passée la journée. Vas-y, demande aussi un compliment. Tu l'as mérité, Julie. J'ai l'impression que la fête, en tout cas, elle est réussie. Hein. Les gens, ils partent tous, donc certainement parce que la fête, elle est finie, oui. En tout cas, c'était bien sympathique d'avoir vu tout ce monde à la fête. Mais au moins, ils ont pu fêter notre anniversaire comme il se doit. Emménager dans une nouvelle maison. Bah oui, Julie, c'est ce qu'on veut faire, t'inquiète pas. Écoutez, on va faire ça, il va falloir qu'on ait tous les simflouzes avant que son souhait ne disparaisse. T'inquiète pas, t'as une maison qui est prête. J'espère vraiment que tu pourras... l'avoir avant tes combien 8 jours de crise existentielle. Voici donc Julie dans sa nouvelle tenue quotidienne, habillée, son pyjama et sa tenue d'hiver. Voilà, les autres tenues, je ne les ai pas changées, comme la tenue de sport et le maillot de bain, puisque tout simplement, elle les utilise que très rarement. Allez, c'est parti! Eh bien super, elle s'est préparée carrément une nouvelle tenue. Et je vous avoue qu'au début, je me suis dit... Oui, je vais juste préparer un petit peu, peut-être changer sa coiffure. Mais au final, je me suis beaucoup inspirée et j'ai décidé de changer carrément toutes les tenues. Bon, après, la tenue quotidienne, c'est la même que celle qu'elle avait juste avant, mais j'ai changé les couleurs, voilà. Il fallait qu'elle garde quand même son côté rock. Et bien sûr, je lui ai mis quelques mèches violettes. Ça lui correspond à merveille. Eh bien écoutez, nous sinon c'est sur ce que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire comment vous trouvez le relooking de notre Julie.
Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Julie dans Les Sims 3. C'était Charlotte, et c'est un ciao.